satellite, c'est un satellite télescope. C'est un peu un Hubble. Discovery, Columbia, l'Atlantis, avec des missions pour avoir déployé quelque chose. Mais moi je parle pas américain, alors je comprends pas tout. Alors, à la suite de la visite. Ils ont développé le cockpit pour qu'on puisse aller voir comment c'était fait. Et ils nous ont mis un joli moteur là. Je crois que c'est parce que c'est la tête de Delco qui déconne. C'est pour ça qu'il ne marche plus. La tête de Delco ou la bougie qui doit être. Je crois que c'est ça. Je dis ça, moi je dis rien. Hein. Voilà, la coupe, sur la navette, le moteur. Allez hop, on suit la visite, on suit la visite. Alors là, après la navette, ils nous ont mis un bout de navette spatiale, de la station spatiale. Les gens rentrent dedans, ils ressortent par le tunnel. Non, regarde, le tunnel il est à 15 mètres du sol. Déjà c'est trop grand, on passe pas. Et puis, puis c'est haut. Oui, on va dire ça, mais moi j'y vais pas. Un petit bout de la station orbitale là. Ils ont fait tout un tas de trucs, ils ont fait des toboggans pour faire comprendre aux gens les G, je suppose, la vitesse de retour. C'est marqué Atlantis 33 missions. À chaque fois qu'ils font une mission américaine, ils font un autocollant. Il leur faut un logo. S'il n'y a pas de logo. Québécois. Année d'émission. Et on continue. Ouais, ils vont. Oula, ça pète tes yeux là. Ça descend, quand ça descend, ça fait la chaleur. Il y a du frottement sous la coque. Coque, voilà. Puisqu'on est dessous. Ah, ben, comme à la maison, bah oui, comme à la maison. Normal, puisqu'ils sont à l'arrivée du toboggan. Welcome, c'est juste en dessous. Moi, j'ai pas fait le toboggan, hein. Je sais ce que c'est qu'un toboggan. Donc, d'autres informations sur la navette. Là, c'est un jeu.
temps un jeu pour mettre les petites boules dans le trou. Pourquoi pas, pourquoi pas.